La préparation à Annecy, ça s'est bien passé. Et on a fait, je crois, 3 matchs amicaux là-bas. On les a tous gagnés, donc on était bien partis. Après, on est revenu sur Nantes, on s'est entraîné. Ça a commencé à avoir un peu de la fatigue, donc on a fait 2 matchs amicaux. Et on a perdu les 2 matchs, mais dans l'ensemble, tout ce qu'on a fait, on a fait du beau travail. Oui, c'est important quand tu n'es pas bien préparé, ça se voit dans la saison. Tu vas avoir beaucoup de blessures, tu pourras pas jouer tous les matchs. Donc voilà, c'est pour cela qu'on est ici, on se prépare bien pour être bien dans la saison. Ouais, le groupe, ça vit bien, il y a de l'ambiance, même s'il y a beaucoup de jeunes, on s'entend tous bien. Donc voilà, on va essayer de rester comme ça et commencer bien le championnat. Ouais, ça fait toujours du bien de marquer, donc quand on joue un match, quand tu es attaquant, tu essaies toujours de marquer pour avoir de la confiance. Donc les 3 matchs amicaux qu'on a fait à Annecy, ça nous a permis, moi et Salah, de marquer beaucoup de buts. Et voilà, même si contre Marseille, on n'a pas pu marquer et on n'a pas pu jouer aussi contre à Franche, donc on continue toujours à travailler, donc voilà, c'est ça. Ouais, j'avoue, on peut dire ça, parce que même s'il n'y avait pas les blessures, j'avais pas fait la préparation avec le FC Nantes. Je suis venu un peu en retard et j'étais pas bien physiquement. Il y avait aussi les blessures qui m'a un peu freiné, donc voilà. Cette année, je sens que je me sens bien et maintenant, mon objectif est que de bien se préparer, de ne pas avoir de petites blessures et bien commencer fort le championnat et essayer de marquer le maximum de buts pour FC Nantes. Ouais, c'est ça, on y pense tous parce qu'on sait que commencer contre Monaco, ça va. À domicile, ça va être un bon match, le stade va être rempli, il va faire beau, donc voilà, c'est à nous de bien commencer pour se mettre en confiance. Ouais, quand on a commencé le stage, on se disait ouais, il nous reste encore un mois maintenant. Il nous reste deux semaines pour rentrer dans la semaine de la compétition. Donc on est tous conscients et on y pense tous et on est tous hâte à commencer le championnat.